Allez, let's go, c'est parti. Ouais, il est dans le donjon, c'est ça. Bon, tu tapes super fort, hein. Enfin, en vrai, pas mal. Ça va être chaud. Comme tous les combats avec Aflip, même quand c'est des mecs pas opti, c'est jamais facile. Ah, roulette des buffs, mais de toute façon, il était pas boost, donc on s'en bat les couilles, en vrai. Allez, chaton carry. Gros, je suis désolé, je tarot, mais si, c'est très clairement que du spam cac sur Dofus Retro. Je suis désolé, si je me connecte sur les rats, je regarde un spec, un combat de mec niveau 200, c'est que du spam cac. Je suis désolé, gros. Hein. Ah, un échec critique pour lui aussi. Roulette PO, c'est pas mal, on va voir si ça sert à rien maintenant. Hop. Alors, est-ce qu'il a tenté de taper sur la chance des cas? Il fait une cinglante. Mais là, on a beaucoup de portée, donc il aura du mal. Hein. Mais voilà, en gros, tu te boostes et après, tu mets des coups de cac, c'est tout. Mais encore une fois, c'est pas forcément nul. Enfin, vraiment, hein, faut bien comprendre. Si t'as pas envie de te prendre la tête sur un jeu ou quoi, c'est très bien, tu vois. Fait chier, je peux pas lui mettre de top cage. Je peux en mettre un, c'est déjà ça. Ouais, mais y a pas zéro skill, mais mec, soit vraiment de... Ça va pas de mauvaise foi quand même. Ah, nickel, il met encore. Il a pas de chance lui. Hein. Il a vraiment pas de chance le Kra. Puis tout à l'heure, il tape sur la chance des cas, il fait que de me soigner. Donc là, ça va être dur pour lui. Roulette agi. Ah bah là, en parlant de pas de chance, là, c'est moi qui ai pas de chance du tout. Parce que la roulette agi, il va m'enculer. Oh, je suis dans la merde avec la roulette agi. Putain, j'ai pas la chance des cas en plus, fais chier. Bon, ça va, c'est qu'un seul tour, donc c'est pas très grave. Non, mais j'abuse pas du tout. Jotaro, je me connecte 5 minutes sur les rats, je regarde un combat, c'est que du spam cac, 100%. Et c'est des mecs en 17 PA, 60 PM. Putain, il m'a enculé avec la roulette agi. Non, mais les mecs veulent pas comprendre, c'est pour ça que je répète plusieurs fois les trucs. Les gens sont de mauvaise foi, veulent pas capter ce que je dis. Hop. Nickel. Mais attends, mais j'avais encore la chance des cas ou quoi là? Il m'a mis du 300, il m'a explosé. Ah, je pense qu'on perd, hein. Moi, ce combat-là, je pensais pas un Kraer, c'est normal qu'il nous gagne, les gars. Encore une fois, il a le même. Enfin, il a un stuff qui coûte aussi cher que le nôtre. Hein. Je pense pas qu'on gagne. Hein. Roulette Intel. Ah, bah ça, ça va nous carry, par contre. C'est pas pour autant qu'on va gagner, mais ça nous met bien la roulette Intel. Parce que voilà, du coup, je tape du 230. Donc, s'il nous tue pas prochain tour, on a gagné. Est-ce qu'il nous tue ce tour-là avec deux absos? Ça se joue maintenant. Soit il nous tue, il a gagné. S'il nous tue pas, c'est bon normalement. Il a pas eu de bol en vrai. Ouais. Ouais, en vrai, il a pas eu de chance le crash, je trouve. Il a pas eu de bol. Globalement, il a pas eu de chance. Parce qu'il a fait un échec critique. Bon, il a eu une roulette qui était bien. Ok, ça passe. Il a eu une bonne roulette. Ils sont trop forts, hein, c'est incroyable. Il a esquivé. Ouais, il a autant de sagesse que nous, donc c'est ce que je vous dis. Un Xor qui joue au retrait comme ça, faut qu'il ait vraiment plus de sagesse. C'est pas possible sinon. Si t'es pas sûr de retirer l'épée avec horloge et tout, c'est pas ouf. Mais une fois qu'il aura plus de sagesse, ça sera beaucoup mieux, ouais. Est-ce que j'essaie de le détacler? En vrai, je peux essayer. De toute façon, on a rien à perdre. Par contre, il a pas beaucoup de vital, ça crie en vrai. Je vais essayer de détacler. Je sais pas si ça va passer. Je try, hein. Yes! On va mettre deux horloges. Bon, le retrait est passé, c'est pas mal. Parce qu'en fait, si tu joues comme ça, à la limite, si t'as pas trop de sagesse, tu dois booster des motivations. Comme ça, tu mets tous les tours, tu mets des démotes. Et bah, du coup, comment dire, le mec a plus d'esquive, quoi. Je vais faire modification, tiens. C'est où, modification? Il a boosté, j'espère. Vu que c'est un sacré en haut, ça va bien réduire ses dommages. Ok, ok, pas mal, pas mal. De toute façon, là, je peux plus détacler. Faudrait que je fasse des fuites. Je teste quand même au cas où. Prochain tour, je ferai une fuite. Ok. Normalement, là, les dissolutions vont taper, voilà, vont taper que dalle. Parce que j'ai fait mon mif. Donc, ça, c'est pas mal. En vrai, c'est assez cheat. Ouais, franchement, il a été après rien du tout. Là, c'est parfait. Là, tu vois, il a esquivé le retrait. C'est chiant. Ok, ça, c'est cool. Je vais essayer de lui mettre un petit ralento. Putain, heureusement qu'il a 10 PA d'ailleurs. Après, il a beaucoup de PA, mais il a pas beaucoup de vita, je trouve.
Ouais, c'est ça le truc, c'est que si tu boostes des motivations, genre tu le mets niveau, je sais pas, 4. À force de spammer les démotes, le mec a plus d'esquive et même si t'as pas trop de sagesse, au moins tu peux retirer des PA comme ça. Allez, faut que l'horloge passe. Yes, ça passe. Là, j'ai de la chance sur le retrait, c'est cool. Enfin, de la chance. C'est pas non plus une chance incroyable, on a plus de retrait, mais bon. Il a tout de même 6 PA, il pourra mettre sa pupu. La pupu qui va faire mal. Mais après, faut que je bourrine et comme ça, je passe la pupu, quoi. Parce que là, il va clairement pupu, passe tour. Et chaque critique, et chaque critique, et non. Bon, après, sa pupu, elle est même pas si. Ouais, c'est pas si ouf. Après, on a plus que 500 points de vie. L'épée qui casse les couilles depuis tout à l'heure. Là, faut que je bourrine, hein. Oh, il a esquivé, fait chier. Ouah, wow, il a esquivé deux fois. C'est la merde. C'est la merde. Aïe, aïe, aïe. Je crois que ça va pas passer, malheureusement. Et ça va pas passer parce qu'il n'y a pas assez de retrait. Oh, il a crit sur Châtiment Vitalesque. Il a de la chance. Je vais essayer de me TP hors map un peu, là. Combien c'est de PA, la TP? 4? Enfin, horloge TP, en vrai, hein. C'est dommage, l'horloge sur cette version, elle faisait pas du vol de vie. Et Sdouf. Alors. Est-ce qu'on peut réussir à gagner ce sacrieur? Ça me semble compliqué, parce qu'il met une pupu et on est mort. Ok. Petite coop. Je suis sûr, on peut pas trop le taper, là. Est-ce qu'il a... Oh, il a pas d'agi. Ah, mais il a zéro d'agi, oui, d'accord. Je peux rollback, mettre une horloge. On va tester ça, je pense. Je teste. Ah, vu qu'il a notre cac, ça va pas passer. Mais bon, je teste un truc. Hein. Ok, donc là, normalement, on est mort. Ouais, normalement, on est mort. Bien joué, lui. Je pense qu'il nous tue à la pupu. On verra bien. Ah, il essaie pas de pupu. Ah, si, attends, il va le faire maintenant. Ouais, voilà. Il avait les PA. Bien joué, lui, c'était close. Ah, bah, il échec critique sur la pupu. Waouh. Ça, c'est stylé en vrai. Ouah, si on arrive à gagner sur ça, c'est incroyable. Mais chaud. Chaud, chaud, chaud quand même. Là, faut que je bourrine pour pas qu'il pisse pupu en vrai. Nice, en plus, j'ai regagné un PA. Allez, retire des PA. Ah, dommage, il peut mettre 2 dissos du coup. Aïe, aïe, aïe. Il pourra pas faire dissos pupu, mais 2 dissos, je crois qu'on est mort. Ah, peut-être pas, il a pas beaucoup de boost. Il fait châtiment vital. Ah, ça relance tout, l'échec critique sur la pupu. C'est l'échec critique que je voulais et depuis longtemps, ça. Ouah, du coup, c'est chaud. Il va nous attirer. Je pense qu'il va nous attirer, non? Ah, il remet une épée. Ah, ça, c'est relou, par contre. L'épée qui casse les couilles. L'épée qui casse bien les couilles, même. J'essaie de me barrer, là. Hein. Ah, ils ont des restes, les épées? Ah, ouais. Il nous reste 160 points de vie. Le sacré, on a 200, mais vu qu'il a châtiment vitalès, je le tue pas avec deux horloges, en fait. Là, il peut pas me choper directement. Ouah, l'échec critique pupu, il a tellement pas chaté, en vrai, c'est abusé, hein. Il a vraiment pas de chat, le mec en face, là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Dérobade. Bon, ça, je t'avoue qu'on s'en bat les couilles un peu. Et une petite abso. Bon. Comment je me démerde là? Faut que le retrait passe. J'ai pas le choix. Ou alors que je le tue, mais je crois pas que ça tue. Hein. Oh putain, le retrait il passe pas. Oh sa mère, ça va être chaud. Ou alors je me casse. Et il peut pas nous tuer peut-être? En vrai, j'ai essayé de me barrer, ouais. Je sais pas s'il nous tue l'attirance pupu, mais il a, sa pupu elle tape pas du 150 si. Je sais pas, il est tellement low HP. Là il a plus châtiment vitalès si, je m'en rappelle plus. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'il va pupu? Est-ce qu'il va faire 10 sauts? Ok, il reste 2. Mais est-ce qu'il a châtiment vitalès en fait? C'est ça ma question. Je crois qu'il a. S'il a encore châtiment vitalès, j'ai clairement perdu. De hein. toute façon, j'ai pas le choix, j'ai pas la TP. Je vais juste bourriner et prier, mais s'il a châtiment vitalès, j'ai perdu. S'il l'a pas, j'ai gagné. Je sais pas si c'est. Oh, il l'a pas, je crois. Oh, échec critique? Oh là, on l'a volé ce combat. Et pas plus optique que ça? Oh, mais je pensais qu'il était un peu mieux stuff quand même. Bon,
En vrai, tu sais, c'est un écart, hein, tout est possible. Hein. Allez, roulette, une roulette, une roulette. Allez, perdu. Il s'appelle perdu, hein, c'est mauvais présage quand même pour lui. Chaton, roulette. Percep, roulette. Mais il fait une roulette, gros. Oh là là, le no fun. Pas de roulette. Oh, pour Tima. Vas-y, c'est pas les mêmes chatons, hein. Moi, mon chaton, il fait pas ça. Ça, c'est moi qui te le dis, gros. Merde, le chaton va me toucher. En fait, je sais pas si je suis taclé par le chaton ou pas. Je suis pas sûr. Tu sais qu'en vrai, avec la percep, il peut me trouver. Mais le problème, c'est qu'il va pas tanker longtemps, là. Bon, est-ce qu'il va tenter une roulette ou pas? Eh, il tente pas, hein. Ok, Odora. Le chaton va casser les couilles. Il a pas boosté le contre-coup. Et bah putain! Oh, mais c'est un truc de malade! On n'a pas le même chaton, hein! Oh, c'est. Oh, mais. Attends, il a boosté son chaton? Mais il a même pas boosté son. Oh non, mais c'est un truc de fou, hein! Niveau. Oh, franchement, niveau luck, en fait, je me rends compte à chaque fois que je joue contre un NK que quand je joue et qu'à moi, je n'ai pas de chance. Mais c'est un truc de malade! Son chaton, il m'a tapé du 600 là, en deux tours. J'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Moi, j'ai fait 60 combats en NK, j'ai jamais vu un chaton qui tape aussi fort. Tu sais que là, je peux perdre. Hein. Si le chaton continue à mettre du 600, j'ai perdu. Hein. Comme son nom l'indique. Non, mais c'est un truc de taré la chatte qu'il a. Attends, on va voir. Parce que s'il remet du 200 x 2, j'ai clairement perdu. Hein. Non, mais j'ai lancé une musique sans faire exprès. Mais nique ta mère, c'est quoi ce chaton? Le chaton m'a tapé du 1000 là, ça fait. Non, mais c'est incroyable. J'ai lancé ce Nekfeu là. Ta gueule, Nekfeu. Enfin, c'est bien en vrai, Nekfeu, mais. Je me fais enculer par un chaton. Là, c'est pas les cas qui m'enculent, hein, c'est le chaton. Hein. C'est abusé la chatte qu'il a. Oh, mais en vrai, c'est du jamais vu. Hein. Le chaton n'a soigné 0 fois sur 7 attaques, je crois. Je crois 7 attaques, il a soigné 0. Non, c'est un truc de fou. Bah, GG, gros, GG, hein, t'as été meilleur, hein. Oh, c'est un truc de malade la chatte qu'il a eu. Ah non mais là c'est incroyable. GG à lui, en vrai GG, je vais lui dire GG. Allez. Je sais pas ce qu'il. Ok, il go. Nous on va refaire pareil, on remet deux coups de cac. Il me fait peur lui maintenant. Maintenant j'ai peur de lui. Gros en vrai il est vraiment pas au petit et tout, mais il a eu tellement de chance. Attends, c'est reparti. Attends, est-ce qu'il va nous refaire là deux fois de suite ça? Ah je suis hypé là, j'ai envie de voir. Mais on est d'accord, il va faire exactement le même tour que tout à l'heure. J'ai envie de voir s'il l'avait boosté ou pas, parce que je crois qu'il l'avait pas boosté. Hein. Là, il l'a pas fait comme tout à l'heure, il a fait contre-coup dessus, je crois. Ah, là, il me soigne. Ah, la chance, elle est plus là, gros. Hein. Enfin, en tout cas, pour ce tour-là, deux fois du soin. On va mettre un coup de cac, on va passer invisible. Même s'il me trouve, au moins, j'aurai les PM. Hop. Moi, j'ai pas mis un seul crit pour l'instant sur le coup de cac. Petit odorat, l'odorat était nul, il a rien gagné malheureusement pour lui. Il a pas eu de chance sur l'odorat. Il tente la percep mais je suis trop loin. Le chaton il a une IA bizarre. On va se booster et prochain tour on mettra des coups de cac. En plus je pense pas qu'il a la percep tous les tours. Ah peut-être, je sais plus. Chaton tape dans le vide. Ah, franchement, c'est pas pareil quand même. Hein. Après, c'est pas la même map aussi. Mais en vrai, c'est même pas le souci de la map. Hein. Le souci, c'est vraiment que son chaton m'avait enculé comme jamais. Après, comme quelqu'un disait, j'aurais pu mettre un double et tout. Mais en soi, je jouais normalement, j'aurais dû gagner. Mais bon. Je pense que je vais taper dès maintenant. Le chaton est assez loin et tout. Crit. Je fais pas de crit. Hein. Aucun crit pour l'instant sur le coup de cac. Pourtant, on a une chance sur deux de base, hein. Il n'y a pas besoin de faire de pulsion ou quoi. Bon, après, même sans crit, ça tape quand même pas mal. Hein. 140, c'est quand même propre. Alors, chance d'écart, gros, pour le beau jeu. Chance d'écart. Contre-coup, chance d'écart, gros, t'as rien à perdre. Oh non, il fait pas de chance d'écart, je vais le tuer sûrement. On verra, pas sûr. Si je fais des bons jets, il est mort. Mais je sens, je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a un échec critique qui va tomber là. Ouais, je le tue. Ah, c'est quand même pas la même chose. Clairement, c'était pas la même chose là.